Monsieur Petit Vincent et Rémi Petit. C'est celui qui a tenu le micro trop longtemps tout à l'heure. Les deux éducateurs, M. Rémi Petit, bravo, et M. Vincent Petit, il faut avoir beaucoup de patience pour enseigner aux enfants. Car ils ne comprennent pas l'histoire. Et puis quand ils veulent travailler encore, ça c'est pas évident. Thank you.
par M. Petit Vincent et Rémi Petit, ici présent. C'est celui qui a tenu le micro trop longtemps tout à l'heure. Les deux éducateurs, M. Rémi Petit et M. Vincent Petit, il faut avoir beaucoup de patience pour enseigner aux enfants. Car ils ne comprennent pas l'histoire. Et puis quand ils veulent travailler encore, ça c'est pas évident. I'm going to go to the hospital.
Une telle femme, regardez. Et encore, ce n'est qu'une ceinture de couleur, ceinture bleue. Encore vous verrez, pas aujourd'hui, mais dans une autre démonstration, une ceinture noire, femme, vous allez voir. Quelque chose de un peu plus virulent par deux ceintures noires, deuxième échelon, deuxième. Ça va être autre chose.
Moulin Vincent et Monsieur Petit Vincent. Alors notre discipline s'appelle le Kijutsu, ne pas confondre avec des autres disciplines similaires. C'est une évolution technique que j'ai mis au point depuis 1992 par rapport à l'évolution de l'individu. Ici aujourd'hui, c'est grâce à Monsieur Dominique Monfait, président du club et pratiquant lui-même, pratiquant le Kijutsu. Alors, vous voyez, vous n'avez pas intérêt à embêter le conseiller au sport de votre commune. Parce que je pense que Dominique Monfait doit donner des cours particuliers. Alors les temps morts que vous attendez et que vous ne voyez pas ce pratiquant, c'est à la fin, il n'y arrive plus. Il faut vraiment beaucoup de souffle. Là, c'est une personne un peu plus âgée qui se fait agresser par quelqu'un de plus jeune. Mais vous inquiétez pas, c'est son fils alors. Donc vous connaissez tous Monsieur Petit et Monsieur David Petit. Comme je vous ai répété tout à l'heure, tous les cours sont contrôlés. Aussi bien les atimiques, les coups frappés que les luxations. Donc vous pouvez tous venir pratiquer aussi bien les jeunes que les vétérans. C'est pas dangereux. Il n'y a pour ainsi dire aucun blessé dans mon mouvement.
personne qui est en train de filmer pour l'instant s'appelle Madame Valérie Petit. Ceinture noire elle-même. Mais qui ne peut pratiquer aujourd'hui car elle attend un heureux événement d'ici quelques mois. Beaucoup de mots. Dans la défense sur un. Je crois que c'est bien maintenant. Ouais, vous avez dit là. Et ben, soit esquive, soit attaque en attaque. C'est mon mari.
esquive, atémie, pré-injection. Dès que l'on maîtrise bien les techniques à main nue, on peut passer avec des armes. Chuter sur cette technique en retourner parce que généralement c'est la tête qui porte la première. Vous ne verrez pas toutes les techniques bâton. On en a encore en réserve. Je crois qu'on peut les applaudir. Alors surtout les enfants, ne vous promenez pas avec des bâtons de protection, ça ne tombe pas. Ni des sailles, ni des sabres, ni des tantos. Ce sont des armes de 6e catégorie. Le port est interdit absolument. Vous auriez passé deux poursuites. Il faut effectivement être dans une fédération pour avoir le droit d'utiliser les armes au cours de démonstration. Voilà. C'est parti. Frédéric Point qui attaque Vincent Bessic. Quand on s'écroule. Alors il n'est pas question de blesser son partenaire. Thank you.
démonstrateur de terme à plusieurs pour pouvoir travailler beaucoup, pour avoir une bonne chorégraphie. Et même en répétant, il faut faire attention. Merci pour eux. C'est simplement l'expression de l'énergie. Regardez, il a le sourire. On y va. Toujours le salut entre les partenaires. Savoir garder son équilibre, c'est absolument indispensable lorsqu'on arrive à ce niveau. Ensuite, c'est assez long, hein, ça dépasse 1 kg chacun. Hein. Fait face à Vincent Petit et à David Petit. L'un est armé du long bâton et l'autre du katana. Je vous demande aux enfants de reculer, s'il vous plaît, des bords du tapis, parce que si vous prenez une pointe de sabre, vous pouvez être gravement blessé. Donc, les enfants, veuillez reculer, s'il vous plaît.
peu plus appuyé. Thank you.
spectacle. Et puis parce qu'ils sont pas blessés. Parce que c'est ça le but principal du sport. On est là pour travailler, pour faire un effort, apprendre. Mais on n'est pas là pour se détruire. Alors on va revenir maintenant à quelque chose de plus solennel. Traditionnel, disons, dans les arts martiaux, c'est le travail au katana qui a été exécuté par David Petit et M. Michel Morin. Sabre comme sabre, contre sabre. C'était au samouraï ce que l'épée était au chevalier du Moyen-Âge. Bon, bien sûr, c'était un instrument de défense, c'était aussi un outil de guerre. Donc, mais ce n'est plus du tout un outil de guerre quand on pratique. Le prolongement de notre propre corps. Alors, quand on maîtrise un menu des techniques, on arrive donc à maîtriser son corps. Et bien là, avec une arme, c'est pareil. Voilà. Alors, surtout les enfants, restez pas encore du tapis, là-bas dans le fond. Jeune homme, est-ce que tu veux reculer un tout petit peu, s'il te plaît? Reste pas au bord du tapis.
technique, vous remarquerez qu'il y a toujours un rituel entre les deux partenaires. Et le salut à la fin. Merci de vous applaudir. Alors, dans quelques instants, exercice de maîtrise. Avec le nunchaku. Monsieur Frédéric Point, ceinture marron en blanc-bec. Et qui, cette année, nous fait l'honneur de passer sa joie. Et disons, un ancien monsieur Lucien Vincent. Thank you.
Hein? Thank you.
celui qui coupe, mais celui qui est en dessous et qui supporte. Parce que il faut arriver à vaincre son appréhension, parce que jamais ce n'était pas le cas. Et bien, vous voyez ce qui se passe au niveau du poignard. La respiration est le maître mot des exercices. Thank you.
ici, et disons les deux partenaires sont indemnes. C'est le principal. Merci à eux d'ailleurs, parce que bon, je vois que M. Bourré est arrivé, mais il n'avait pas peur du tout. David. Il n'avait pas peur du tout. Hein, parce que... c'est quand il y a des éclats qui volent. C'est là que vous risquez d'être blessé. Parce que ça vole parfois à plusieurs mètres. Hein. Exercice de casse, bon, tout simple. On commence par deux et ensuite on augmente le nombre. Avec bien entendu diverses formes de frappe qui représentent des atteignements de base du karaté. Thank you.
Vincent, au Saint-Urbain deuxième échelon, Monsieur Petit Babet, Saint-Urbain deuxième échelon, Monsieur Vincent Petit, Saint-Urbain deuxième échelon, Monsieur Rémi Petit, Saint-Urbain deuxième échelon, vous voyez, j'ai toute la famille Petit, vous voyez, ah, les petits sont grands. Hein. Alors ici, c'est, il s'appelle un journal qui est 14, c'est ça, c'est pas ça. Frédéric Santos. Dos Santos. Hugo Roland. Roland. Christelle Petit Prêt. Christelle Petit Prêt. Bientôt, Madame Petit, vous voyez, c'est... bon, ça se rejoint. Et le dernier, Jean Fossier. 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 Vous pouvez les applaudir quand ils ont le truc, même si vous savez, passer devant un public, c'est pas facile, c'est pas dû à tout le monde. Et on perd, ils ont 50% de ses moyens. D'ailleurs, je vais perdre, vous voyez, parce que je vais gagner. Et, grâce, je répète encore cette démonstration, a eu lieu, c'est grâce à M. Dominique Monfay, ici présent. Merci à tout le monde. Je remercie tout le monde. C'est la deuxième fois. L'année prochaine. Alors Michel, il a dit l'année prochaine. Allez, on en repart pour l'année prochaine. Merci. Une petite aparté, monsieur Dominique Monfay fait aussi partie de la famille Petit, malheureusement. Je m'annonce également, donc ce soir, je donne rendez-vous à partir de 21h.